Merci de votre fidélité, vous nous suivez de partout. On est là, c'est samedi. Espoir Mouinoka, salut, ça va? Oui, ça va. Bonjour à nos téléspectateurs. Bonjour à tous ceux-là qui se battent pour que le Congo puisse recouvrer sa souveraineté nationale et internationale. Bonjour aussi et joyeux anniversaire aussi, cher ami. Merci mon père. Ouais. Mais c'est pas pour parler d'anniversaire aujourd'hui. Hein. Exactement, mais c'est on. Ça, c'est fait. Je sais pas si c'est on est. Il y a encore des morts, il y a un peu, ça va se passer. Ouais. Ouais. C'est une bonne chose parmi les approches que, qu'on devrait à tout prix multiplier et aussi. Ouais. Merci Espoir. Quelles sont les nouvelles ce matin à Goma, province en général? À Goma, c'est un peu calme. Ça fait à peine des semaines qu'on n'a pas entendu les histoires de 40 voleurs. Quoique c'est difficile, une ville infiltrée, une ville avec les agents dormants, une ville, les agents dormants à 223, l'RDF, nous savons tous qui sont dans la ville. Mais quand même on félicite les autorités, puisque surtout le général de la police, on a vu quand même quelques efforts qu'il fait, quoique ça ne tient pas comme on voulait que ce soit. Faute aussi des moyens, la logistique aussi, qui n'est pas une logistique... à mesure de faire face à 90 km². Bon, quand on parle de général, c'est toute une province. Et quand même, toutes nos félicitations pour la ville de Goma. Mais ça fait partie, c'est peut-être les fruits de cette task force qu'on a financée. Une task force civilo-militaire, hein? Non, c'est les fruits de toute une population. Ça n'a rien à faire seulement avec les officiers, avec les policiers, non. Ça c'est les fruits de la collaboration civilo-militaire, comme vous l'avez dit, mais aussi c'est les fruits de la détermination de la jeunesse. Et on aimerait que les jeunes soient toujours ainsi, toujours mobilisés. Mais si on parle du côté Rutshuru, c'est un peu noir, puisque, comme vous le savez, les terroristes RDF, sous les labels 223, ils se sont affrontés contre les compatriotes. Et quand même, les jeunes ont répondu farouchement. Ils ont repoussé l'ennemi. Et aussi, du côté Beni, il faut dire aux gens quand même que ces massacres continuent. Ces envahisseurs, ces agresseurs, ces massacreurs continuent toujours à massacrer nos compatriotes à Beni. Si on part du côté Masisi, la mauvaise nouvelle est que nos compatriotes, ils ont perdu la vue faute de quoi manger au niveau de la prison de Masisi. Et ça fait mal, ça blesse tout le monde, mais quand même, nous croyons que l'État congolais cherche des mesures d'ici et là. Peut-être comme Masisi est aussi sous ébullition de la guerre, peut-être ça peut causer que la nourriture ne puisse pas arriver là-bas, mais quand même, les autorités ne devraient pas dormir du fait que nous avons beaucoup de gens, voire même à Masisi, les prisonniers devraient faire l'exemple pour cultiver. Mais la situation peut-être ne permet pas aux autorités d'y réfléchir, mais on ne doit pas dire que la situation empêche. Nous devons toujours fournir des efforts pour empêcher que nous puissions perdre nos compatriotes, parce qu'ils ont manqué quoi mettre sous la dent. Merci beaucoup, Mouinoka. On va revenir sur l'affaire Ngagatutu. On sait, en qualité des renseignants, les commissaires divisionnaires adjoints Placide Nyembo attendus notamment sur l'effectif des policiers commis à la sécurité de la société minière de Bambouanga. C'est la SMB, c'est ça, oui? Des Bissouzou. Les commissaires divisionnaires à jeu Placide Nyembo, on rappelle qu'il est l'ancien chef de la police au Nord Kivu entre 2017 et 2019. Exactement. Il a comparu hier vendredi 9 juillet devant la haute cour militaire en qualité de renseignant dans l'affaire qui met en cause le député Edouard Mouaga-Tchouchou. La haute cour militaire lui a posé plusieurs questions, notamment à ce qui concerne la sécurité de la mine de la société Mining de Bissouzou, SMB. Ouais.
qui se trouve dans les territoires des Masisi, Cotonou. Niembo Placide, actuellement commissaire provincial de la police au Congo central, a indiqué que 86 policiers constituaient l'unité chargée de sécuriser la ville. Il rejoint en quelque sorte le commissaire principal Robert Mouchamaliroi pour prévenir des Mouagatchouchou qui avait indiqué devant la cour que l'unité qu'il commandait comprenait 80 policiers. Je cite, la concession des SMB avait besoin de 43 éléments. Nous avons constitué deux équipes, 86 policiers sur deux pour que ce relais, pour qu'elle se relève, voilà. La présence sur les sites est considérée pour 43. C'est pourquoi dans les contrats, nous avons signé pour 86 éléments. Les 43 autres, c'est par rapport à la plaire du travail. Il y avait d'autres éléments qui venaient en appui. C'est justement pour permettre que l'unité engagée n'ait pas de failles, a dit à la haute cour militaire le commissaire de l'univers. Cette affaire, ça va. Vous savez, nous, on le dit chaque jour, si vous êtes mon père, ma mère, mon frère, si vous complotez contre la République, je dois vous nier, c'est que vous ne faites partie de ma famille. Il faut bien comprendre d'abord à l'époque du général Placide ici, c'est lui qui avait dit ce qui est Moni Bango Barré. C'était un général très très brutal. Et qui était aussi à la solde de M. Kabila. Et, bon, peut-être puisque la police n'a pas de couleur, l'armée même chose, mais il était un général très très brutal que la province Nord Kivu n'a jamais connu, et quelqu'un qui il n'avait même pas bien travaillé, ça il faut dire, puisqu'ils ne font pas dire quand nous allons mourir, de dire non, espoir a bien travaillé, espoir non, c'est qu'ils font, on se dise la vérité étant vivant. En fait, cette histoire de SMB, moi je crois, tout celui qui sera vu fautif, mais il doit partir, il doit comparaître. On laisse le temps à la justice, que la justice fasse son travail. Si tout cela qu'on appelle, qu'on fait, si on est d'ici et là à la barre, s'ils sont fautifs, nous, on croit qu'il faut qu'ils soient maintenus et arrêtés aussi. Mais s'ils ne sont pas fautifs, qu'on les libère et on les laisse vaquer librement. Alors, nous, moi, je fais le droit. Et nulle part où je vis depuis que j'ai commencé les études, qui font laisser celui qui a commis des fautes. Il faut qu'il soit maintenu. Et nulle part où je vis qu'il faut arrêter celui qui n'a pas commis de fautes. C'est que tout celui qui se reproche de quelque chose, il doit payer de ses actes. Tout ce, puisque le sang des innocents pleure dans les Masisi. Vous savez, les Masisi, c'est parmi. Si nous avons des téléphones, nous avons des caméras, nous avons quoi, c'est puisque Masisi et Walikale existent. Et puis, on ne peut pas accepter que la population de Walikale ne gagne absolument rien. La population de Masisi ne gagne absolument rien. Puisqu'il y a 4 ou 5 policiers, 5 colonels, 5 généraux, 5 politiciens qui se sont mis ensemble pour piller nos ressources. Or, lorsque nous, on condamne que les pays n'avancent pas, il faut qu'on se demande aussi qu'est-ce que nous, on a facilité dans cette histoire. En fait, moi, vous savez, je condamne celle-là qui avait donné à SMB cette concession. Mais aussi, il faut savoir, c'était sous pouvoir de rebelles, soutenus par les Rwandais, notamment CNDP et aussi RCD. C'est là où ils avaient gagné cette histoire. Mais je crois qu'il faut se battre pour que l'État congolais puisse encore vibrer. Il faut que tous nous puissions contribuer, que l'État congolais soit remis dans ses droits. Voyez-vous, puisque moi personnellement, il y a un groupe de gens, ils se battent pour que le Congo puisse être un pays pauvre. Et lorsque nous serons un pays pauvre, mais nous aurons des personnes riches, des autorités riches, mais la République en soi est pauvre. Et lorsque le pays est pauvre, on n'avantage personne, on avantage les enfants de ces riches-là. Mais nous, les enfants des pauvres, nous, les citoyens lambda, qu'est-ce que nous allons faire vivre dans un pays pauvre, voyez-vous? C'est que c'est un devoir pour tout citoyen de se battre. Ça n'a rien à faire seulement avec le chef de l'État, avec les ministres, avec nos fanfarons députés. Ça, c'est une histoire qui concerne tout citoyen congolais. C'est que tous.
Oui, puisque il, non, élu du peuple en quoi? Il nous aide avec quoi? C'est, non, c'est parmi l'assemblée moribond qu'on a connu dans cette dans cette république. Moi, ça, je le dis et j'assume mes mots. Voyez-vous, nous avons nos, et d'abord pour nos députés du Nord Kivu, je ne sais pas s'il faut les applaudir, s'il faut les jeter dans les lacs, comme le disait Kabila, s'il faut faire quoi, je ne sais pas. Puisque nous, on se demande, est-ce que réellement ils savent qu'ils sont, ils ont été élus par la population? Est-ce qu'ils savent ça? C'est pourquoi moi je dis qu'il y a un devoir pour tout citoyen congolais. On ne peut pas dire que non, ceci ne concerne que les chefs de l'État. Ceci ne concerne que... Non, ça te concerne aussi toi, citoyen congolais, voyez-vous. Quand moi je parle de nos fanfarons députés, parce qu'ils ne savent pas quelle est leur mission régalienne. Imaginez un pays, nous sommes en agression. Mais ces gens n'y réfléchissent même pas. Or, notre budget, les 100% de notre budget, au moins 60% devraient être dotés à l'armée et à la police. Mais eux préfèrent, il faut toujours avoir de l'argent, il faut avoir de belles maisons, de belles voitures. Lorsque on va dire, après les mandats, c'est, on va dire c'est Félix qui a échoué. Ça, vous vous trompez. C'est tout celui qui a été élu par le peuple, c'est tout celui qui a été nommé ministre, c'est tout celui qui a été nommé juge, c'est tout celui qui est magistrat, c'est tout celui qui est dans les fonctions publiques. Non, ce n'est pas le président seul. Si on a échoué dans, si le président, on dit tel projet n'a pas marché, non, ce n'est pas seul. Il faut voir aussi qui est ministre dans ce secteur. Il a été élu dans quel cas politique? Quelle est son histoire dans ce pays? C'est comme ça que nous allons maintenant procéder à évaluer. Vous savez, à l'époque de Kabila, oui, Kabila a détruit la République, puisque lui aussi, il recrutait va que va. C'est par après qu'il va pleurnicher que non, j'ai manqué 15 personnes. Dans les 60 quelques députés, des ministres qu'il avait, il a manqué 15 personnes. Dans les 500 députés, il a manqué 15 personnes. Dans ses amis, anciens rebelles, anciens quoi, il a manqué 15 personnes. Anciens rebelles. Les amis du président. Exactement. Mais qui entre eux, parmi tous les ministres, qui entre eux n'a pas laissé sur leurs mains? Non, je ne parle pas de nom de personne, mais évaluons le gouvernement de M. Kabila, évaluons les généraux qu'il avait nommés, et d'ailleurs, ceux-là qui étaient proches de lui. Il faut bien comprendre. Quand je parle de ses proches, je ne mets même pas à côté, monsieur, l'autre-là qui a fui. L'autre-là, il a été soupçonné d'ailleurs qu'il tentait un coup d'État, monsieur. Non. Non, c'est pas Kanyama, le général John Numbi. Et même si on parle de François aussi, c'est un proche aussi de M. Kabila, voyez-vous. C'est que c'est un sérieux problème, mais il faut que les gens comprennent que nous n'allons plus partir de l'évaluation, d'évaluer de tels. Celle a été à la base de l'échec de la RDC. Non, nous allons évaluer tous citoyens congolais. Même nous qui ne travaillons pas, on va évaluer aussi notre patriotisme. Qu'est-ce que nous faisons pour que le Congo soit le Congo que tout le monde rêve? Qu'est-ce que moi j'ai fourni, quel effort pour que le Congo puisse changer, voyez-vous? C'est que c'est, nous allons évaluer tout le monde et je crois, si ça serait même possible, il fallait que nous puissions mettre même les bulletins, dire tel a échoué avec autant, tel a contribué à la République avec autant de poids, telle a fait ça, telle a... Et c'est là où nous devons quand même finir par arriver. D'accord. Mais c'est cette affaire de moi qui a fait le choix. Plusieurs personnes disent que c'est pas politique. Comment vous pouvez travailler? Non, vous savez, je ne vois pas ça peut être politisé dans quel sens. Et de même, ça peut aussi être politisé. Les politiciens qui veulent qu'ils soient acquittés avant que la justice ne puisse dire son dernier mot. Voilà, peut-être c'est dans ce sens qu'il fallait dire que c'est politisé. Mais dire qu'il a été arrêté pour des fins politiques, bon, je ne sais pas si Mwanga Tchoutchou est le député le plus influent en RDC pour qu'il soit arrêté pour des fins politiques, voyez-vous. C'est qu'il faut comprendre, quand on parle de la nation, c'est toute une république. On ne parle pas de Goma, on ne parle pas de Rutshuru ou bien de Masisi. On parle de la RDC. Et lorsque dans votre petite maisonnette, dans votre belle voiture, dans votre hôtel, dans votre maison de luxe, vous complotez contre le Congo, il faut prouver que vous n'avez pas comploté. Voyez-vous. Il faut prouver que vous n'avez jamais été complice avec ceux-là qui veulent porter atteinte à la république. Voyez-vous. Moi, je crois à une seule chose, et que M. Edouard Mwanga Tchoutchou fut le président
du CNDP et M. Edouard Mwanga Tchoutchou avait signé les accords du 23 mars. S'il y a d'autres choses, moi je ne maîtrise pas assez, mais on connaît beaucoup d'histoires sur cette histoire. Et on laisse à la justice de bien faire son. Non, on connaît qui fut président du CNDP. Non, ça n'appartient pas à l'histoire, puisqu'à part CNDP, on ne devrait pas avoir les 1-23. C'est avec les accords du 23 mars qu'on a eu les accords du 1-23, voyez-vous. Et moi, je crois que, comme j'interpelle toujours tout le monde dans son secteur, si vous êtes juge, ne cherchez pas d'abord l'argent, puisque vous allez en avoir, mais il faut se ressourcer de la famille de Mobutu. Il faut se ressourcer. Combien d'avoir qu'avait Mobutu? Combien d'avoir qu'avait Kadhafi? Est-ce qu'ils sont encore en vie aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils ont laissé? Est-ce que ce ne sont pas toujours des conflits à leur famille, voyez-vous? Moi, je suis sûr et certain que la justice va dire le vrai droit. S'il est coupable, il doit être condamné. Et s'il ne l'est pas, si il parvenait à prouver qu'il ne l'est pas, bon, nous allons juger, puisque la justice, ou bien non, il faut dire que les jugements sont rendus au nom du peuple congolais. Et nous, les Congolais, nous allons évaluer si réellement il y avait les droits ou pas, si c'est l'argent, les milliards qu'ils ont volés dans ces pays qui ont circulé ou pas. Mais quand même, courage à tout le monde. Nous interpellons toujours une fois nos juges de mettre d'abord l'amour de la République avant que l'amour de l'argent ne soit venir, ou bien avant que l'amour de l'argent ne les soit leur pousser à nœud. Puisque comme vous le savez tous, la loi le dit, les corrompus et les corrupteurs, ils sont tous poursuivables. Et lorsque moi je dis avant que l'amour de l'argent ne leur soit poussé à nœud, c'est que quelqu'un peut venir et les propose l'argent comme comme c'était passé ici à Goma et autre chose. C'est que moi je crois que cette histoire ne doit pas nous prendre aussi notre temps. Nous devons simplement appeler la justice à bien faire son travail. Et on appelle aussi à nos politiciens de cesser d'interférer dans des affaires pendantes ou bien dans les affaires qui sont devant la justice. Merci. Alors, on va finir avant qu'on revienne sur notre mobilisation des Calais. Ouais. On va parler un peu de cette affaire. Exact, exactement. On devrait manifester à partir du 12, mais vu l'arrivée de monsieur le délégué du pape, en collectif, nous nous sommes dit non, on lui laisse le temps, mais nous allons passer toujours les messages comme quoi ils soutiennent toujours l'agression de la RDC. Puisque, attention, si le pape le voulait, il devrait dire à son fidèle, monsieur Kagame, mais Kagame, tu dois laisser les Congolais. En plus, il faut savoir que la RDC seule compte plus de 44 millions de chrétiens catholiques. Et nous, on se demande pourquoi leur chef, ou bien leur prélat, ou bien les papes, ils ne veulent pas que ces chrétiens, ou bien ces fidèles puissent vivre en paix. C'est qu'on laisse ce temps, mais nous allons toujours passer le message. Et nous interpellons nos mamans, vous qui serez proches de lui, nos papas, nos grands frères, il faut lui demander pourquoi vous ne voulez pas dire à Kagame de laisser librement les chrétiens catholiques. Bon, partons des chrétiens, chrétiens catholiques, puisqu'ils sont majoritairement au Congo. Voyez-vous. Mais à partir du 14 au 15, nous allons barrer route à ces véhicules. Puisque quand je parle de véhicules, de l'EAC, je ne vois pas si dans ces véhicules il y a des personnes. Puisque depuis qu'ils sont venus, peut-être ce sont des robots moins intelligents, mal programmés. Ils n'ont jamais combattu contre leurs partenaires, leurs programmateurs, ces Rwandais RDF. Ils sont toujours là, ils vaquent librement. Nous, on s'est dit non, vous avez été invités pour telle ou telle autre mission. Si réellement vous étiez venu pour que la paix puisse revenir ici, vous allez dans une année de votre existence au Congo. Mais qu'est-ce que vous faites? C'est que votre présence et votre absence, c'est la même chose. Rentrez chez vous, ou bien donnez-nous ces armes, nous on va combattre. C'est qu'à partir du 14, on demande à la population, partout là où vous verrez les militaires de l'EAC, moins les Burundais, il faut leur barrer route. Oui, le budget reste le même, il n'y a pas eu de mouvement. Nous avons déjà 1 600 dollars et ces 1 600
comme nous le disons et nous ne cessons de le dire, il y a une famille qui nous avait beaucoup, beaucoup soutenu avec 1 000 $ et d'autres compatriotes, ils avaient déjà contribué avec 600, qui fait les 1 600 que nous avons. Nous attendons quand même, il y a d'autres compatriotes qui ont promis et je suis sûr et certain qu'ils vont réagir. Il y a, comme nous nous sommes dit, avec cette culture, il faut toujours dire aux gens, comme vous l'avez proposé, mais moi je ne le ferai pas, dire que tel, ils ont contribué, non, on ne peut pas le faire pour des raisons liées à la confidentialité. Puisque ce qu'ils ont fait, c'était de leur propre gré. Et ça ne serait pas mieux que nous puissions dire tel, non, c'est contre la... c'est contre ce que nous, on s'est dit avec celle-là qui contribue. Mais quand même, on les remercie. En fait, celles-là qui vont nous tenir en route, nous avions décidé de mobiliser quelques fonds pour redonner sourire à nos compatriotes de Kalehe. Et depuis qu'on avait lancé, nous sommes en train de partir d'aller... Nous avons déjà 1 mois et quelques semaines, mais dans les 1 mois et quelques semaines, nous avions mobilisé déjà 1 600 $. Et ces 1 600, c'est à partir de ce vendredi que nous allons, c'est que le vendredi de la semaine prochaine, nous allons commencer déjà nos achats. Nos compatriotes de Kinshasa, ils ont quand même bougé. Il y a certains entre eux qui ont bougé et ils ne dépassent pas 6 personnes qui ont essayé à Kinshasa. Et au moins 90% est venu de notre communauté internationale et on les remercie pour ça. Nous les félicitons de tout ce qu'ils sont en train de faire pour la RDC. Quand nous assistons nos compatriotes de Kalehe, c'est une chose de plus que nous sommes aussi en train de porter à la RDC. Puisque la RDC, c'est pas moi, c'est pas Justin, c'est pas tel ou tel autre. La RDC, c'est tous les citoyens congolais. Quand nous redonnons sourire à nos compatriotes de Kalehe, c'est que nous sommes aussi en train d'aider la RDC. Nous sommes en train aussi de montrer notre patriotisme. Ce qui s'est passé à Kalehe, ça n'a rien à faire avec la politique. C'est juste l'humanisme. Et d'ailleurs, voilà, ceux-là qui se disent qu'ils sont artistes humanitaires, c'est là où ils devraient partir. Toutes ces fondations que nous voyons ici, ils devraient partir à Kalehe pour redonner sourire à nos compatriotes. Mais lorsque on parle des élections, c'est là où vous les voyez. Mais quand on parle d'aider nos compatriotes, quand on parle de la RDC, ils ne sont même ils n'ont jamais été même présents dans cette histoire. Ce que, chers compatriotes, vous avez essayé et c'est là qu'ils vont encore essayer. Nous attendons toujours que vous puissiez encore appuyer avec les peu que nous avons déjà. Ça va, ça. Si vous ajoutez encore quelque chose, ça va nous aider. Pour envoyer vos contributions, aussi pour nous orienter avec des conseils, puisque vous savez, la route qu'on va emprunter n'est pas une route facile. Hein? Alors, nous sommes sur le 09 90 66 42 08. Vous pouvez contribuer à ces numéros. De même que vous pouvez nous appeler pour nous demander qu'est-ce qu'il vous faut pour contribuer. De même que vous pouvez envoyer à mon nom Espoir Mwinuka et facilement ça va atteindre la cible. Et je crois qu'on sera avec la presse à Kalehe. Nous allons vous montrer ce que nous achetons, ce que nous donnons, ce qu'on fait. Voilà. Merci mesdames et messieurs de nous avoir regardé ce Congo Live. Bon week-end à tous et à toutes. On se rencontre la semaine prochaine pour un nouveau numéro. Nous vous disons bye bye, merci. Espoir aussi d'avoir été là. Est-ce qu'il nous faut fêter le week-end? Est-ce qu'il nous faut... Bon, je ne sais pas. C'est une question de choix lié et laissé à tout le monde. Merci. Puisque Dieu nous a doté du libre arbitre. Et nous appelons aussi nos autorités de bien comprendre que cette jeunesse ne recule pas. Si certaines de nos autorités vont continuer à comploter, nous allons les mettre dormir. Que vous soyez autorité de l'opposition ou bien de la majorité, que vous soyez un grand politicien de l'opposition comme de la majorité, si vous complotez contre le pays de ma mère, de mon père, le pays de Dieu que Dieu avait légué aux Congolais, comprenez que vous verrez les jeunes sur votre route. Merci beaucoup.